Good morning, allez Yiden, les suites aujourd'hui, les Lunishmat, Richaron Ben Fortune Mazal et Claudie Tzrak Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine Dieu de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Tanit Perek Bet Mishnah Dalet. A la Rishona, Hu Omer Mishnah Tavram, Avinu Be'ara Moria, Hu Yan Etrem, Vishma Bekol Tzak Etrem, Ayom Azé Baruch Hata Hashem, Goel Israël. A la Shnia, Hu Omer, A la Shnia, Hu Omer, Mishnah Tavotenu Aliem Souf. À la chichit, ou Omer, Mishana Tavotenu, et Yona Bimea Daga. Ou Yan etrem Vishma Bekol Tsakatrem Ayom, Zemorhata Hashem Aone Bet Sara. À la chivit, ou Omer, Mishana et David, et Shlomo Beno Birushalayim. Ou Yan etrem Vishma Bekol Tsakatrem Ayom, Zemorhata Hashem Amerachem Al Haaretz. Mishna relativement simple, ça rejoint la Mishna précédente, qu'on va un petit peu reprendre, un peu expliquer. Désolé pour le cours précédent, j'étais épuisé, je crois que je me suis même endormi devant la caméra, mais bon, j'ai fait mon cours à 2h30 du matin. Il y a... Concrètement, on va réexpliquer un petit peu mieux. Pendant les jours de jeûne public, dans la série des 7 jeûnes, d'accord, une fois qu'on a fait les 3 premiers pour les Tamid Ramim, 3 pour les jeûnes cool, 3 pour les jeûnes plus stricts, et après il y a la série des 7, et là, durant la série des 7, il va falloir faire des prières publiques. Pour ces prières publiques, alors, on va rajouter une amida particulière. Et pour rajouter cette amida particulière, alors comme nous, lorsqu'un jeûne public, dans la bracha de Anenu, entre Re'e et Refa'enu, on rajoute la bracha de Anenu, alors, à leur époque, lorsqu'ils faisaient les tefilot pour la pluie spécialement, alors il fallait rajouter 6 brachot supplémentaires. Mais en fait, ça modifiait, ça faisait au total 7 brachot modifiées. C'est-à-dire qu'en fait, la bracha de Re'e, on rajoutait une petite phrase, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et après, on concluait avec Goel Israël. Et après, on commençait les brachot qu'on avait vus avec Zichronot, Shofarot et El Hashem Betzaratali. D'accord? Ça, c'était la Mishnah pour la Mishnah Gimel. Et donc, maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est les conclusions des brachot. À chaque fois qu'on va finir un certain sujet, en fait, il faut étudier les deux Mishnayot en même temps. C'est-à-dire, une fois qu'on a vu dans la Mishnah précédente les six ajouts de texte qu'on va faire, maintenant la Mishnah précédente, elle se finissait aussi, il faut dire leur conclusion, Vomer Chotmehen. Et la Mishnah, elle s'était finie là-bas. Maintenant, dans notre Mishnah, on va plus expliquer quelles étaient leurs Chotamot, leurs conclusions de ces 6 ou même 7 brachot, justement. Alors là, on va voir. À la Rishona, sur la première bracha, en fait, on est encore dans la bracha de Re'e. On continue pas, Baruch Atah Hashem Goel Israël, on dit quoi? Al Rishona sur la première bracha ou Omer, Mishana et Abraham Behar Amoria, Uyanetrem Vishma Bekol Tsakatrem Ayomaze, Baruch Atah Hashem Goel Israël. Le Goel Israël qui est ici, c'est le Goel Israël de Re'e. Mais au lieu de conclure directement Goel Israël, alors on évoque que Hashem, il a répondu, celui qui a répondu Abraham, lorsqu'il était au Har Amoria, au Mont Moria, lorsqu'il faisait la Kedat Yisraq, alors, Huyanetrem, il va vous répondre. Vishma Bekol Tsakatrem, il va écouter votre Tsaka, votre Tfila. Tsaka, ça veut dire qu'on crie Hashem. Hayom Azé, en ce jour-là, il va vous écouter. Baruchot Hashem, Goel Israël. Béni sois-tu Hashem, ou tu es source de bénédiction Hashem. Goel Israël qui délivre Israël. Tout le peuple d'Israël, autant qu'Hashem, il a répondu à Avraham Avinu lorsqu'il était à Moria. C'est pas écrit dans la Torah qu'Avraham Avinu l'a prié, qu'il voulait pas faire la Shrita. C'est un peu délicat. Mais il y a marqué dans le Midrash, qu'il n'est pas qu'Avraham Avinu l'a fini la Kedat Yisraq. Et qu'Hachem, il a dit, non, tu ne l'égorges pas. Alors il a prié pour qu'Hachem lui priera, il sauvera son fils. En fait, en tout cas, concrètement, il y a Avraham Avinu qui a prié pour la descendance du Ham Israël. Donc, le Goel Israël, ça correspond. Ensuite, à la Shnia. Sur la deuxième, donc, un petit coup d'œil sur la Mishnah Gimel. Et on va voir la Mishnah précédente, on va voir que la deuxième bracha, il fallait dire quoi? Il fallait dire les Zichronot, les psukim des Zichronot, où on évoque qu'Hachem, il se souvient de ses créatures, il les juge et il se souvient d'elles pour les sauver, comme les psukim des Zichronot de Atazocher,
des zichronot de Rosh Hashanah. D'accord, du Moussaf? Eh bien, zichronot, alors regardez. À la Shnia Omer, sur la deuxième bracha, qui correspond en fait à la première ajout des zichronot, Omer, il dira, Mishanat avotenu alem souf, celui qui a répondu, qui a écouté les tfilot de nos ancêtres au Yamsouf, à la mer rouge, ou Yahanetrem, alors il va vous écouter, il va vous répondre, Vishma kol tzakatrem, il va écouter votre tfila, hayomazé en ce jour-là. Baruchata Hashem, Zocher Nishkachot. Tu es source de bénédiction Hashem, Zocher Nishkachot, toi qui te souviens de toutes les choses oubliées. En deux mots, on lance les zichronot, on finit avec le mot Zocher. D'accord? Zocher Nishkachot. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial quand nos ancêtres étaient sur la mer rouge? Alors il rapporte le Tosot Yom Tov, une seconde. Parce que justement, Hachem il se souvient de ceux qui sont oubliés, c'est-à-dire ceux qui sont un peu. Qui sont perdus et paumés et oubliés dans leur misère. Hachem se rappelle d'eux, c'est qui? Seul Israël, après 210 ans d'exil en Égypte. Ouais, où le Israël ils étaient en train de sombrer et tomber, Hachem s'est souvenu d'eux. Donc c'est pour ça qu'on sonne la Avotanu Alem Souf. À la Shlishit pour la troisième, donc un petit coup d'œil sur la Mishnah Gemel, on voit quoi dans la Mishnah Gemel? C'était les Shofarot. Qu'Hachem une réponse en son du Shofar. Vous connaissez bien l'histoire du Shofar. Où c'est qu'il y a eu une super histoire avec le Shofar dans la Torah, dans les Nevim. Yoshua, quand il est parti à Yericho, ils ont fait le tour de la ville avec en sonnant le Shofar, jusqu'à qu'après ils ont fait les sons du Shofar et qui ont fait tomber tous les remparts, les ont fait engloutir sous terre. Eh bien, dans ce cas-là, qui est le mérite de qui on va mentionner lorsqu'on va parler des Shofarot? Yoshua, regardez. À la Shlishit Omer, sur la troisième bracha, donc qui correspond avec en haut les Shofarot. Il va dire, Mishanat Yoshua Bagilgal, celui qui a répondu à Yoshua à Gilgal. À Gilgal, c'était avant Yericho, en fait. D'accord, mais là-bas, il y avait Yoshua qui a fait une grande tfila. Gilgal, alors, dès qu'ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont franchi l'Irden, ils sont partis à Gilgal pour faire des korbanot. Eh bien, Ouyane et Trem, alors Hachem, il va vous répondre. Mishma Bekol Tzakatrem, il va écouter votre tfila, Hayom, Azéon, ce jour-là. Baruchat Hachem, Shomea, Teru'a, celui qui écoute la Teru'a. Quand Hachem, il écoute la Teru'a, la Teru'a de Yericho. Ensuite, à la Révi'it, sur la quatrième racha, qui est en fait le troisième ajout. Donc en fait, si on revient dans la Mishnah précédente, c'était El Hashem Betzaratali, Karati Vayaneni. Ils ont prié Hashem que dans notre misère, un passage de Télim, qui on avait dit c'était le Perek Kufraf, Télim Kufraf, là-bas El Hashem Betzaratali, Hashem lorsque j'étais dans ma misère, Karati Vayaneni, je t'ai appelé et tu m'as répondu. Alors quoi? On va mentionner qui cette fois-ci? À la Révi'it ou Omer, pour la quatrième, pour cette bracha, il va dire quoi? Mishanat Shmuel Bamitzpah, celui qui a répondu à Shmuel lorsqu'il était à Mitzpah. Shmuel a fait une grande fila à la fin de sa vie, c'était, il les a réunis à Mitzpah. Eh bien, il a fait une grande fila, puis après, il leur a dit, regardez, maintenant, on est en ce moment en plein été, je vais prier pour qu'il y ait la pluie qui tombe, vous allez voir qu'il y a la pluie à l'automne. Vous avez vu qu'Hachem, il est capable de tout faire. Comme ça, il a renforcé avant de quitter le Ham Israël. Alors, on dit, Mishanat Shmuel Bamitzpah, celui qui a répondu à Shmuel lorsque le ministre était à Mitzpah. Oui, un etrem, il va vous répondre, vous exaucer. Vishma Bekol Sakatrem, il va écouter votre tuyla Hayom Azé en ce jour. Là-bas, on prend Hashem Shomea Tse'aka. Parce que là-bas, il y a marqué par rapport à Shmuel, il y a marqué le terme de Zeaka. C'est plus dans le même endroit, Bémet. Parce qu'il y a marqué, il rapporte là, Vaisak Shmuel et Hashem. Je crois que là-bas, ça ne correspond pas du tout à ça. C'est une autre histoire, Vaisak Shmuel et Hashem. Je crois qu'on est en train de parler là-bas, lorsqu'il y a l'histoire avec David, avec Shaul HaMelech. Hachem a repris la malchoute de Shaul HaMelech. Je crois que c'est là-bas, il marque le passage de Isaac Shmuel Hachem. En tout cas, avec Shmuel, on a vu le mot Zaka, donc on dit Shomea Tzaka. On continue la Chamishit sur la cinquième bracha, qui correspond en fait, si on regarde le passage de la Mishnah Gimel, donc c'est la quatrième là-bas, il y a le Zichonot Shofarot El Hashem et Tzartali, et après il y a Esa Enay El Harim, mais Aïn Yavo Ezri. Alors qu'est-ce qu'on évoque? Mi Shanat Eliyahu Ara Carmel, celui qui a exaucé Eliyahu Ara Carmel. Entre parenthèses, Eliyahu est monté sur la montagne, Esa Enay El Harim. Mais il n'y a pas Ezri. Et là, il est parti là-bas sur la montagne de Har Carmel. Alors, celui qui a écouté Eliyahu Har Carmel en faisant descendre le feu pour brûler les corbanotes, et comme ça, ensuite, que les Bnei Israël ont pu trancher pour Hachem contre les mauvais prophètes de Nevi à Baal, eh bien, où il y a un Etrem, Vishma Bekol Tzavetrem, eh bien, Hachem, il va vous répondre lui aussi. Il va vous exaucer, il va écouter votre tfila, Yomazé, en ce jour-là, Baruch Atem, Shomeatef, Baruch Atem, Shomeatef, là. Que Hachem il écoute la tfila. On dit Shoma tfila, c'est pas Shoma tfila de la fin de la Mida, c'est le Shoma tfila qu'on ajoute dans les ajouts. D'accord?
Parce que, donc Eliyahu Navi, il a fait une tefila là-bas, il a dit Aneni Hashem, Aneni. C'est lui qui a dit la super phrase. On fait Anenu Hashem, Anenu, c'est lui qui l'a, le premier qui l'a dit. Ensuite, à la Shishit, Omer, sur la sixième, donc sans en arrière, ça correspond cette fois-ci à Mimamakim Keraticha Hashem. Regardez comment ça s'arrange merveilleusement bien. Mimamakim dans les profondeurs. Là, on était à Eléarim, sur les montagnes, c'était le précédent, maintenant c'est dans les profondeurs. Qui c'est qui est dans les profondeurs et qui a jamais écouté? Yona, Bim et Adaga. Il était le poisson qu'il a pris, qui est parti avec lui sous la mer. Il avait bien, dans ce cas-là, Mishanaet, Yona Mimee Adaga, celui qui a exaucé Yona depuis les entrailles du poisson, où Yanetrem, il va vous écouter, vous exaucer. Vishma Bekol Tsagatrem, il va écouter votre tfila, Hayom Azéon, ce jour-là. Baruch Hata Hashem, Haone Be'et Tzara, tu es source de bénédiction Hashem, celui qui répond, qui exauce Be'et Tzara dans les moments de. Tzara, tzara, c'est-à-dire la misère, mais c'est plus dans le sens qu'on est complètement enfermé, comme il y en a qui est enfermé dans le ventre du poisson. Et Ve'alashvit est sur la septième, bracha, sur la septième, donc c'est quasiment la dernière, là où c'était Tfila le'ani ki ya'atof, Tfila le'ani ki ya'atof, l'ifna Hashem, ishtor sicho. Et alors en rapport à ça, on va dire quoi? À la Shvit ou Omer, sur la septième, il va dire Mi she'ana et David ve Shlomo benom Yerushalayim, celui qui a exaucé David et Shlomo, son fils, à Yerushalayim. Qu'ils ont tous les deux prié. David a prié pour l'âme Israël, et lorsqu'il y avait une grande famine pour l'âme Israël, et après Shlomo Amelech, il a fait la grande tfila quand il a construit le Beth Amidash. On a déjà dit qu'il a fait une très longue tfila, que Hachem il exaucera tout l'âme Israël, tous les gens, même les Goïm qui prieront en direction de Yerushalayim. Et donc, Mishanet David et Shlomo Beno Yerushalayim, celui qui a exaucé David et Shlomo son fils à Yerushalayim, Huyane Etrem, il vous exaucera, Vishma Bekol Tzakatrem, il va écouter votre. Vois votre tfila, Baliom Azé en ce grand jour, Baruch Ata Hashem, Hammerachem ala Haaretz, tu es source de bénédiction Hashem, qui, Merachem, qui prend en miséricorde ala Haaretz, qui éveille sa miséricorde sur la terre. On voulait spécifiquement finir avec cette tfila, même si chronologiquement, il y avait David de Shlomo qui était avant Yona. Et il fallait mieux dire Yona après, en fait, pourquoi on les a dit tout à la fin. Alors la Gemara l'explique, parce qu'on a voulu conclure avec. Puisqu'on est en train de prier pour qu'Hachem il amène sa pluie, il nous donne la pluie, alors c'est le moment de conclure toutes ces notes avec Hamerachem ala Haaretz, qui prend en pitié la terre et qui va leur envoyer la pluie. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.